gouvernement. Alors aujourd'hui, on va parler du municipalisme radical. We're going to talk about radical municipalism. Je vais faire la majorité de ma petite présentation en anglais, mais les panélistes vont changer entre anglais et français. Donc, Donald va parler un peu des deux. Jonathan va parler français principalement et Simon va parler en anglais. So, like you all saw from the title of this talk is Take Back the City, or Prenons la Ville. And on top of that, there's a general theme that we want to put forward, which is this idea of municipalism in the past, in the present, and in the future. And we're going to sort of present in that order. So Donald's going to mention a little bit about how municipalism has affected Quebec and some of its history there, and how that relates to municipalism today. Jonathan is going to talk more about municipalist projects as they exist around the world currently, and then Simone is going to present about Symbiosis, which is an organization across North America that we hope puts forward a future plan for municipalism on our continent. So I'll just give a few words about the panelists, and then I'll try not talk too much and we'll get going. So Donald Cuchulea is an accomplished author, historian, and activist. He's an important member of the Montreal Urban Left and has been a speaker and a professor at a number of universities around the world. He's now presenting, he's now a professor at University of Quebec at Montreal. I'm retired. Oh, he's retired. In the past. And like I mentioned, in this portion of the talk, he'll present a brief account of Montreal's rich history of municipalist movements and how that affects municipalism today. Jonathan Zouin-Foucault is a professor at St. Paul's University in Ottawa and author of the book Annu la Ville. He's an expert on municipalist movements across the world and has championed them in Montreal for many years now. And like I said, he'll provide a brief summary of the present state of municipalism across the entire planet, hopefully, or at least the ones he knows. no pressure. And finally, Simone Chen is a member of Symbiosis Montreal and a local activist. And in her portion of the talk, she'll introduce Symbiosis as a future movement for the unification and spread of municipalist movements across North America, as well as discuss the potential for a Symbiosis chapter here in Montreal. So before we get going, I just want to lay out a few ground rules. We really want to encourage as much discussion as possible, and so for that reason, the speakers will try to limit the talks to about 10 to 15 minutes each, after which we'll open it up for questions and discussions, and we really want to encourage you to ask anything you have, and also to not only direct your questions and comments at the presenters, but also between each other. So if you feel like somebody says something and something you have a good response or have a question for them, we encourage you to exchange. Even though this is a smaller room than we initially thought we were going to present in, one of the advantages is it's pretty well suited for that kind of discussion. So, we also want to emphasize that we also want to encourage gender parity in our questions. So, when the question period does come, you just have to raise your hand, and I'll try and be switching between men and women equally. And if there are only men who raise their hand, then I'll take a little pause and see if anybody has something to say. If they don't, then we'll double down on that. So that's pretty much all I have to say, and now I'll leave the floor to Donald Cuchulea. Avant de commencer, je veux juste mentionner une chose qui est très importante de comprendre. Si on parle de ville puis on parle de démocratie, il faut avant tout dire une chose, que le territoire sur lequel nous sommes, c'est un territoire autochtone, particulièrement de Mohawk, et c'est s'appelle Turtle Island, juste pour vous dire. Donc, on parle de cette région ici. Moi, je vais vous parler de démocratie citoyenne, le droit à la ville et prenons la ville. Si on regarde les efforts des Nations Unies au niveau de, finalement, des projets au niveau de l'urbanisation mondiale, on voit que depuis 2014, on sait qu'aujourd'hui, il y a jusqu'à 54% de la population urbaine vit dans les endroits urbains des grandes villes. Donc, c'est la moitié de la planète. Au Canada, il y a jusqu'à 80% de la population canadienne qui vit dans les villes. Donc, on sait que les villes ont toujours été ici pendant longtemps, et c'est surtout l'endroit, on peut dire, où les êtres humains ont cherché sécurité, habitation, manger. Mais il faut dire aussi, avec la montée des villes aujourd'hui, on est en train de vivre finalement, qu'est-ce qu'on peut dire en anglais, un major power shift.
Finalement, les villes aujourd'hui sont le centre politique et économique des décisions comme ça n'a jamais été auparavant dans l'histoire de notre humanité. Les villes sont devenues des acteurs majeurs sur le plan national et international. Puis beaucoup pensent que les villes are the new future. Beaucoup pensent ça. C'est dans ce contexte de montée des villes que nous devons pas questionner la vraie question, comment est-ce que les citoyens et les citoyennes ont le pouvoir, finalement, de mettre en place une véritable démocratie dans une ville sur laquelle ils peuvent poser les questions à moyen et à long terme du droit à la ville et le contrôle de la ville. Si je lis David Harvey, Rebel Cities, David Harvey writes, "The adoption of the right to the city as an operational slogan and a political ideal. It is imperative to work towards a democratization of the right to the city and the construction of a large social movement so that the dispossessed can retake the control of the city, of which they have been excluded for too long." So, c'est une question, c'est très intéressant quand on parle de Harvey, puis on lit la citation de Harvey, que c'est l'idée de la démocratie qui est au centre de tout. J'ai écouté aujourd'hui la question de land trust, la question de loyer, la question des mouvements sociaux au niveau de l'habitation, etc. Mais qu'est-ce qui touche l'ensemble de ces préoccupations-là des citoyens et des citoyennes de la ville? C'est comment font que cette ville-là démocratiquement et qui possède cette démocratie-là? Et donc, je vais parler un peu de ça, mais après ça, je vais revenir à l'exemple, qui est peut-être le seul exemple que dans Montréal, puis probablement au Canada, puis Jonathan peut me corriger là-dessus, c'est au niveau du Front d'action politique des années 70 à Montréal. Okay. Donc, les villes, depuis beaucoup de temps, comme j'ai dit tantôt, mais spécialement depuis la crise de 2006, la crise financière qu'on a toutes subie un peu partout sur la planète, il y a certaines, on peut dire, villes qui les subissent encore, les instruments que possèdent les capitalistes pour reconstruire le capitalisme et garantir les profits, les banques, les institutions financières, les spéculateurs, la propriété privée sur la propriété publique, et finalement la question de comment qu'on, les citoyens, donc, quand ils se lèvent un peu trop fort, on voit toujours la question de la répression. Finalement, les villes sont devenues les acteurs dans ces domaines-là aujourd'hui. Ils ne sont pas simplement les terrains de jeu des capitalistes, mais ils sont devenus, on peut dire, le lieu de définition et aussi la naissance des contradictions qui, effectivement, traversent la ville capitaliste. En termes, le contrôle sur le terrain, le contrôle sur l'eau, le contrôle des espaces publics, le contrôle sur la question des privatisations des services, et puis je peux en mettre au niveau du public de transportation, le développement condo. Finalement, c'est dans cette sphère-là que le capitalisme est en train de se reconstruire en utilisant la ville comme son instrument. Son instrument. Sur ça, je vous dis très clairement qu'il faudra lire peut-être le livre de Henri Aubin, qui a travaillé pendant 30 années pour la Gazette de Montréal, puis ça a pris 10 ans d'écrire un livre en disant « Who owns the city? » D'ailleurs, Radio-Canada, RDI, durant la semaine prochaine, ça s'est passé cette semaine, mais ils vont le reprendre, en français, un documentaire de Martin Frigon sur qui contrôle, qui possède la ville de Montréal. Ça vous donne la peine que vous regardez ça. Peux-tu répéter l'auteur? Hein? Peux-tu répéter l'auteur? Martin, as-tu dit pour le livre? Non, pour les deux. Martin Frigon pour le documentaire. Puis le livre, c'est Henri Aubin. Il faut voir que depuis quelques années, les gouvernements nationaux et provinciaux au Canada, avec leur philosophie de néolibéralisme, ont imposé des programmes d'austérité. Et ça veut dire dans les endroits, finalement, de santé, éducation, transport et autres services. Ça veut dire que la ville est devenue la cible numéro un des capitalistes pour arrêter toute forme de manœuvrabilité au sein de les villes. Ça veut dire que finalement, les villes étaient obligées de se sentir menottées dans tous les services que les villes doivent faire à la population. Et vous savez, dans une ville, la première chose qu'on doit s'assurer, c'est les services qu'on offre à la population dans différents domaines.
Donc, les capitalistes, avec leur programme d'austérité, c'est assuré que les villes, plutôt que de s'enrichir pour la population, s'appauvrit pour la population. Mais les capitalistes, eux, ils s'enrichissent. Okay? Donc, les contradictions du capitalisme se trouvent dans les villes aujourd'hui, plus que jamais. Donc, on a qu'à regarder le projet de Royal Mount, qui est un exemple de savagerie de projet où les profits sont simplement au bout, finalement, pour les riches. Je peux parler de d'autres projets à Montréal aussi, c'est la même chose. Si on voit que la bourgeoisie libérale, la démocratie de la bourgeoisie libérale est en train de s'effriter, on commence à voir que finalement, c'est en déclin. À tel point qu'on peut dire le concept du municipalisme démocratique doit prendre le dessus. On voit que la bourgeoisie est en train de décliner dans beaucoup de démocraties libérales, qui fait que finalement, on se renvoie vers le néo-fascisme. Ça veut dire sur quoi qu'on doit se baser pour reprendre et reformuler et reconstruire et redéfinir la démocratie, c'est les villes. C'est les villes. C'est notre territoire et c'est le contrôle du territoire des citoyens qui va pouvoir garantir ça. Donc, il ne faut pas oublier que tout ce qu'on a déjà avantage au niveau comme finalement, tous les référendums qu'on peut avoir, la consultation des citoyens, c'est venu finalement par l'activisme dans les quartiers. Moi, je prétends qu'on doit retourner dans les quartiers. On doit effectivement reconstruire une démocratie de quartier. Au niveau de ce qu'on peut appeler des assemblées publiques des citoyens et des citoyennes, indépendamment des organisations qu'eux-mêmes ont construites dans leur quartier. Que ce soit un comité de citoyens, comité d'action politique, comité whatever. C'est les citoyens qui ont la dernière parole de comment gérer leur quartier. Moi, je suis quelqu'un qui est un peu négatif vis-à-vis de ce qu'on appelle les arrondissements. J'ai toujours pensé que les arrondissements, c'est un cadre institutionnalisé, intermédiaire, pour empêcher une démocratie citoyenne de se faire entendre où? À l'hôtel de ville. À l'hôtel de ville. Parce que c'est eux qui ont le pouvoir, pas les arrondissements. Et quand vous demandez aux arrondissements, aux mairesses, qui sont, il y en a certains qui sont très bonnes, Mme Vumagali qui est avec nous aujourd'hui, puis hier aussi, ils vont vous dire, on est limité dans le pouvoir. Puis c'est de ça qu'on parle. On parle de pouvoir et de démocratie. Donc moi, je dis, c'est pour ça que je dis, on doit retourner finalement aux assemblées publiques dans les quartiers. Des années 60 et 70, il y a eu une tentative à Montréal. À Montréal. À partir de 10 ans de lutte des groupes populaires à Montréal. Puis quand je dis des groupes populaires, je ne parle pas des groupes communautaires. Que selon moi, aujourd'hui, peut-être Jonathan va être contre moi, je m'en fous. Hein? Mais je pense aujourd'hui que les groupes communautaires, effectivement, sont inféodés à l'État. Sont inféodés à l'État. Les groupes communautaires ne gèrent pas, gèrent la pauvreté plutôt que détruire la pauvreté. Parce que le but, c'est de détruire le capitalisme, puis c'est de là que vient la pauvreté. Dans les années 60, c'était des groupes populaires. Sans ingérence de l'État, sans d'argent des États. C'était spontané dans les quartiers que les gens ont mis sur pied les fameuses garderies populaires, les comptoirs alimentaires, les comités de citoyens, les comités syndicaux dans les quartiers. Comités syndicaux, imaginez-vous. Okay? En plus de d'autres comités, comités d'action politique, comités de logement, nommez-les, comités des femmes, par rue parfois, par rue. Donc, c'est une spontanéité de cette lutte des années 60 qui découle des années 50 avec la Révolution tranquille au Québec. C'est clair, c'est une ouverture et la population ouvrière, ouvrière dans les quartiers, hommes, femmes, hein, les ménagères, parce qu'il y avait des ménagères à l'époque. C'est pas comme aujourd'hui, les femmes sont sur le marché du travail, mais à l'époque, les femmes étaient encore dans la cuisine, malheureusement, mais c'était la réalité. Mais même les femmes s'occupaient de tout ça. Donc, on est arrivé à vraiment tenter de regrouper par quartier et laisser le quartier gérer le regroupement, qui est ce qu'on appelle les comités d'action politique. Parce qu'en 68 au Québec, pour la première fois dans l'histoire du Québec,
Les citoyens de Montréal, imaginez-vous, avaient le droit de vote au conseil municipal. 1968. J'avais 23 ans. J'ai eu la première fois de voter dans un, pour l'élection municipale. Fait que si vous pensez qu'on est un peu arriéré, oui, on était très arriéré. Fait qu'en 68, ils ont décidé de donner le vote comme citoyen. La seule preuve, c'est qu'il faut là que vous démontrez que vous vivez à Montréal. Donc, vous aviez sûrement quelque chose que vous avez payé, votre loyer ou whatever. Avant, c'est avec les propriétaires qui avaient le droit de vote ou des bons, les riches de cette société qui siégeaient sur toutes les corporations à Montréal qui avaient le droit de vote pour le conseil municipal. Fait que les conseils municipaux étaient contrôlés par qui? Le 1%, mes amis. Le 1%, mes amis. Donc, le FRAP a été fondé en 1969-70 pour dire on a une occasion non seulement de déplacer M. Jean Drapeau, qui était un autoritaire néo-fasciste, comme vous pouvez imaginer. D'ailleurs, c'est lui qui a fait appel à la crise d'octobre pour qu'on envoie l'armée à Montréal. C'est lui. Donc, on s'est mis sur pied le Front d'action politique, le FRAP, pour regrouper sur le plan montréalais, sur le territoire du municipalisme, avec une perspective radicale. Et cette idée-là vient de où? S'il y a des Américains ici, ils vont être fiers de l'entendre. Saul Alinsky in Chicago, qui a toujours dit que les villes devraient être contrôlées par les citoyens et les citoyennes de cette ville-là. Ça retourne même à Henri Lefebvre de 1968, le droit à la ville, quand il a vu ce qui se passait à Paris. Hein? Donc, tout ça, le FRAP a tenté. FRAP, malheureusement, a duré 2-3 ans. Pourquoi? La crise d'octobre est arrivée, puis on a mis tous nos candidats en prison. Nos candidats ont été choisis par les gens dans les quartiers. C'était des débarqueurs, c'était des travailleurs d'usine. Dans Maisonneuve, il y a même une femme qui était une ménagère qui était notre candidate pour siéger au conseil de ville de Montréal. Une ménagère qui avait été une des fondatrices du comptoir alimentaire. C'est des épiceries pas chères pour la classe ouvrière. Puis ça a été choisi par les gens dans le neighborhood, dans le quartier. Donc, il n'y avait pas de verticale comme on a aujourd'hui, mais c'était beaucoup plus une tentative, on ne savait pas à l'époque, horizontale. Horizontale. Puis moi, je pense qu'il faut retourner à ça. Si on ne retourne pas à ça, on perd la ville. Puis si on perd la ville, on perd le reste, mes amis. On perd le reste. Puis je pense qu'il faut comprendre très bien que c'est un processus pas à moyen terme ni à court terme, mais à long terme. Parce qu'on a beaucoup d'obstacles. Mais je pense que la première leçon qu'il faut qu'on comprenne, c'est que sans démocratie radicale, citoyen, direct, pour le contrôle non seulement du quartier et de la ville, on va nulle part. L'autre aspect, je pense que idéologiquement, je pense qu'on comprend une chose. C'est le capitalisme qui gère nos villes. C'est le capitalisme qui gère nos vies. Puis une fois pour toutes, on va-tu le dire que c'est l'ennemi, c'est le capitalisme? Je suis assez tanné, à mon âge, d'encore d'utiliser le mot capitalisme. Le monde dit, « Oh, c'est-tu le capitalisme? » Il ne fallait pas que je leur dise que je suis un socialiste ou un anarcho-communiste. Là, j'irai en enfer, moi, demain matin. Aujourd'hui, on ne parle plus de ça. On a peur des mots. Cessons d'être peur des mots. Si on a peur des mots, comment on va changer? Il faut regarder les réalités à pleine face, pas avoir peur des mots. Peut-être amener une nouvelle définition du socialisme. Peut-être amener une nouvelle définition de la lutte aujourd'hui. Ça, oui, le contexte a changé. Le monde a une nouvelle culture. Je regarde la jeunesse qui est devant moi, c'est pas moi, c'est beau. Mais au moins, on en parle tel qu'ils sont. Fait que moi, je dis, avec le FRAP, c'est une tentative, vraiment une tentative, qui a laissé quand même un manifeste extraordinaire, qui a laissé quand même des traces importantes. C'est comme ça qu'est venu le Montreal Citizens Movement par la suite, qui a fait du bon travail. Ça a découlé. Après, évidemment, nos candidats ont laissé sortir de prison. Puis les organisateurs comme moi n'étaient plus en prison, fait qu'on les a sortis. Bon, mais c'était ça. Fait que ça veut dire que finalement, l'oppression capitaliste dans la ville de Montréal a servi les riches. Ils ont détruit un mouvement populaire pour prendre le contrôle de la ville. Deuxième des choses, puis je vais finir là-dessus. La gauche urbaine pense qu'il faut revenir au forum public quartier par quartier par quartier. Mais que les sujets qui vont se discuter dans ces forums-là, ça va être les organismes du quartier qui vont déterminer.
Parce que c'est eux qui le savent, qu'est-ce qu'ils vivent, la merde qu'ils vivent. C'est eux qui savent l'exploitation qu'ils subissent. Fait que si c'est la gentrification, ça sera la gentrification. Si c'est une question de 15 $ de l'heure, ça sera ça. Si ça veut dire finalement d'arrêter le développement fou et folle qu'on a un peu partout, ça sera ça. Et donc, il faut retourner à cette base-là. Ça ne changera pas demain matin, mes amis. Mais je pense qu'il faut revenir toujours à ce que les Américains appellent « rank and file », « grassroots ». Puis écoutez le peuple. On n'écoute plus le peuple aujourd'hui, mes amis. On n'écoute plus les travailleurs, les travailleurs salariés. Il faut les écouter. Il faut les écouter, puis véritablement les écouter. C'est ça, c'est de là. Parce qu'un mouvement social va être construit quand eux vont embarquer. C'est pas moi et toi ici qui vont faire le mouvement social. C'est pas vrai, ça. Ça va, on va se parler entre nous autres, c'est bien beau, mais c'est le mouvement du peuple et surtout des travailleurs et travailleurs salariés qui font un mouvement social. Et je finis avec ça parce que je pense que tant aussi longtemps qu'on ne développe pas dans les villes une situation de démocratie directe contrôlée par les citoyens et citoyennes, finalement, on ne pourra jamais arriver quand on peut remplir finalement le slogan « The right to the city », le droit à la ville, ou prenons la ville. Ça commence par « grassroots ». On retourne à Saul Alinsky, exactement, puis Henri Lefebvre. Donc, il faut regarder dans le passé les éléments qui nous encouragent pour continuer dans ce sens-là. L'autre chose aussi, je pense qu'il faut qu'on ait une position radicale. Le problème, ce n'est pas qu'on est radical. C'est le problème, selon moi, ça c'est une opinion à moi, on n'est pas radical assez. On se comprend, là? Parce qu'aujourd'hui, dans notre monde, on est tous des progressistes. Je ne sais même plus ce que ça veut dire, progressiste. C'est un fourre-tout. C'est un fourre-tout. J'ai une chose. Les socialistes sont des progressistes, mais les progressistes ne sont pas des socialistes. On s'entend, là? Et donc, je vous laisse avec ça, mes amis. C'est à mon tour. Oui, bonjour. Donc, merci beaucoup pour ce beau discours enflammé avec toute une histoire, en fait, du FRAP, qui est une initiative inspirante, d'après moi, qu'on pourrait aller revoir davantage. Je ne pense pas que ça a été numérisé en ligne, mais vraiment, il y a un fonds d'archives à l'UQAM où il y a vraiment les procès verbaux, le manifeste des salariés au pouvoir. Donc, c'est toute vraiment une expérience à Montréal, peut-être, qui ressemblait le plus à ce que pourrait être un municipaliste de combat, une forme d'éco-socialisme, plutôt de socialisme, peut-être que l'écologie n'était pas aussi présente à l'époque, disons, au niveau de la ville. Et ce qu'on peut voir à différents niveaux, c'est qu'il y a eu une vague, que ce soit en Europe, aux États-Unis aussi, dans les années 1960 et 70, où la question urbaine a été mise de l'avant. L'Amérique du Sud aussi, il y a plusieurs initiatives. Et là, ce qu'on assiste aujourd'hui, donc ma conférence va plutôt porter sur ça, c'est sur la nouvelle vague, on peut appeler la nouvelle vague municipaliste, en fait, qui est en cours, on est en plein dedans. La pointe de l'iceberg a été, entre autres, lors des élections politiques municipales au niveau de l'Espagne, la ville de Madrid, Séville, Saragosse, Barcelona. Les plus grandes villes d'Espagne ont été conquises par des mouvements de jeunes, d'activistes, de mouvements sociaux, citoyens, de la gauche radicale, des gens qui s'identifiaient ni à la gauche ni à la droite, pas de partis politiques, mais qui se sont mis ensemble et qui ont pris le pouvoir dans les villes. Et ma présentation d'aujourd'hui, en fait, va un peu plus porter, en fait, sur des villes que j'ai eu, en fait, l'expérience, en fait, la chance d'aller voir, visiter, rencontrer, après avoir écrit mon livre « À nous la ville ». Donc, mon livre, je l'ai écrit en 2016, à fin 2016, début 2017, il a été publié et 2 mois après, c'est la publication, j'ai vu qu'il y avait un grand événement international qui s'appelle Fearless Cities, qui est le premier sommet municipaliste international qui tente de fédérer en fait toutes les initiatives des élus locaux, des groupes activistes, militants, organisations de 150 villes à travers le monde. Donc ça a été lors de cette expérience en fait que je suis allé voir un peu plus en fait comment ça se passe sur le terrain comme tel, voir quelles sont les différentes avancées. Les gains qui ont été obtenus, aussi peut-être des freins et des problèmes aussi. Donc, ce que je vais essayer d'exposer de façon brève, je vais un peu parler du cas de Barcelone pour montrer que peut faire un groupe, un mouvement municipaliste une fois qu'il prend le pouvoir, quelles sont les limites, les problèmes et obstacles qui sont liés à ça. J'ai eu la chance aussi d'aller voir la ville de Grenoble. Je suis allé là au mois de mars, en fait, il y a un peu moins d'un mois,
pour la Biennale des villes en transition. Et j'ai eu la chance, en fait, de rencontrer des élus locaux, des groupes de citoyens opposés à la ville aussi. Donc, d'avoir un peu le point de vue des mouvements sociaux. Il y a une forme de contradiction qu'on peut voir dans le mouvement municipaliste. Une tension créatrice, parfois, entre, justement, des gens qui sont dans différentes organisations, associations, mouvements. Des gens qui entrent en poste aussi. Des bris de confiance aussi, parfois, avec des gens, comme j'ai rencontré un conseiller municipal libertaire, donc de tendance libertaire, et qui s'est fait rejeter une fois rendu au pouvoir parce qu'il était du mauvais côté du pouvoir, et qui est après allé négocier des conventions de squat, en fait, avec des gens dans les squats pour empêcher qu'ils soient expulsés. Donc, il y a comme toutes ces dynamiques-là de contradictions, et je crois que ce qu'il faut commencer à regarder de plus près, peut-être pour le futur, pour ce qui vient, c'est d'essayer de combiner un projet de transformation de la société, donc un projet radical au sens qui va à la racine des problèmes, donc qui va essayer de s'attaquer à différents systèmes économiques de domination. Ça peut être le capitalisme, le colonialisme, le sexisme, le patriarcat, différentes structures d'oppression, mais voir ensuite comment on peut articuler ça vraiment dans une action politique concrète qui est enracinée, qui a une certaine intelligence aussi de la situation, d'être capable d'enraciner nos idéaux révolutionnaires dans une pratique concrète. Et je crois que ce qu'il faut faire, en fait, peut-être c'est l'objet d'un futur livre, ce serait une enquête sur le municipalisme réellement existant. Donc, un peu, c'est une expression que je retiens du socialisme réellement existant, qui a été, en fait, l'expression utilisée pour décrire des régimes soviétiques qui se réclamaient du projet de Marx, socialiste-communisme. On voit que dans les faits, le réellement existant est souvent passablement éloigné de l'idéal de ce projet de transformation. Et je crois qu'on doit avoir la même approche critique, lucide, réflexive, autocritique, en fait, sur les expériences municipalistes qui ont cours, voir quels sont leurs problèmes, comment on peut apprendre de ces différentes erreurs. Donc, c'est un peu, une simple intention que je voudrais amener ici, d'aller voir sur le terrain concrètement qui sont les gens qui œuvrent à essayer de transformer la ville, quels sont les mouvements qui tentent, donc voir ça comme des tentatives, comme une expérimentation aussi, et voir quelles sont justement les leçons qu'on peut tirer de ça. Donc, je vais commencer en fait de façon assez brève pour parler du cas de Barcelone que j'ai eu la chance de visiter à 4 reprises depuis les cinq dernières années. J'ai été entre autres avec une petite mission avec une dizaine de personnes au mois de novembre 2018, aller voir comment en fait à la fois la ville et les groupes citoyens sont en train de développer des communs urbains et comment la municipalité se sert en fait de ses pouvoirs au niveau institutionnel pour être capable de re-socialiser de façon démocratique des espaces, des bâtiments, des infrastructures pour les donner justement sous une forme de démocratie directe, d'autogestion, de co-gestion des services publics par et pour les citoyens et les citoyennes dans la ville. Donc j'ai eu la chance en fait d'aller rencontrer des élus municipaux, des agents dans la fonction publique un peu aussi, des groupes citoyens. Et je crois qu'une des clés qu'ils sont en train de développer, je crois que c'est quelque chose qu'on pourrait importer ici du côté de Montréal, c'est l'idée en fait qu'il faut développer des formes de partenariat public commun en fait, donc voir comment on peut passer d'infrastructures, d'actifs, de propriétés publiques municipales en biens communs. Donc les biens communs, je ne sais pas si les gens connaissent ce concept, c'est une forme d'alternative assez large, globale, à la propriété privée, mais ça se distingue aussi de la propriété publique ou étatique. Donc, on n'est pas ici dans l'idée que c'est juste l'État, le marché, le public, le privé. On essaie de sortir de cette dichotomie pour montrer qu'on peut avoir une gestion collective de ressources partagées, que ce soit des espaces, des lieux, des bâtiments, et qu'on peut les gérer en commun. Un des exemples qu'on peut trouver à Montréal, je crois que peut-être qu'il y a été question de ça lors de la conférence, le bâtiment 7, donc qui est un commun urbain autogéré. C'est une des plus grandes expérimentations autogestionnaires, à mon humble avis, depuis très très longtemps à Montréal. Donc, qui est en train de voir le jour, qui a été en quelque sorte approprié par un groupe de citoyens à un propriétaire privé. Ce qui s'est passé du côté de Barcelone, pour faire le parallèle, c'est qu'ils ont eux aussi leur bâtiment 7 qui s'appelle Can Batlló, qui est un grand complexe industriel qui a à peu près, je dirais, 5 fois la taille de bâtiment 7, qui était de propriété publique municipale. Et lors des élections de 2011, il y a des groupes d'habitants, de citoyens qui ont fait une lutte urbaine, justement, fait pression sur la ville pour reprendre le contrôle du lieu. Ils étaient dit, on est prêt à occuper l'espace, on va faire un grand squat, puis on va occuper l'espace. Finalement, ils ont eu une autorisation pour pouvoir occuper le lieu, donc ils ont été capables d'avoir une lutte et un gain concret. Et avec ce lieu, actuellement, il est co-géré par 17 associations, des groupes de quartiers, des coopératives.
Et en fait, il y a une forme, ce qu'ils appellent là-bas, c'est la cession d'usage. Donc, ça permet en fait de céder la gestion de bâtiments publics à une ou à plusieurs associations sur une durée de 30 ans. Donc, ils étaient capables d'obtenir ça et avoir des protections, des garanties légales pour faire en sorte que s'ils perdent le pouvoir aux prochaines élections, ils pourraient tout de même continuer à utiliser le lieu. Ça ne sera pas reprivatisé par la suite. Donc, d'avoir cet outil-là, concrètement parlant, pour essayer de remunicipaliser ou de démocratiser les infrastructures en ville, il faudrait voir à Montréal quels sont les bâtiments, les lieux, les espaces qui appartiennent à la ville de Montréal qui pourraient être transformés par la suite. Il y a une initiative que vous connaissez peut-être, le projet Yonge, donc bâtiment Yonge, dans le quartier de Griffintown, qui actuellement fait un espace plus pour des entrepreneurs sociaux incubateurs. C'est pas un projet comme le bâtiment 7, mais qui appartient à la ville de Montréal. Je crois que c'est une des choses qu'on pourrait développer. Et du côté de la ville de Barcelone, en fait, ils sont tout en train de développer aussi des nouveaux outils juridiques qui appellent la gestion civique des communs urbains. Donc, essayer vraiment d'avoir une gestion participative directe d'un ensemble de choses pour donner le pouvoir aux citoyens. Donc, il y a ces choses, en fait, que j'ai appris là-bas, en fait, cet appareillage conceptuel, ce conceptuel, le bricolage aussi au niveau de nouveaux outils pour être capable de transformer la ville en commun, pour être capable de la démocratiser l'intérieur. Donc, ça, c'est une des choses que j'ai beaucoup appris. Autre élément, donc plateforme de démocratie numérique, assemblée locale citoyenne, il y a toute cette démocratie vivante, il n'y a pas les mêmes raisons de séparation, de dichotomie qu'on peut voir entre le mouvement citoyen, le mouvement pour l'économie sociale solidaire, le mouvement pour le droit au logement. On dirait que les mouvements convergent, que la circulation, alors qu'ici, par exemple, les groupes communautaires, dans ce que je connais un peu, des fois se méfient de l'économie sociale, qui se méfient des autres groupes, qui se méfient un peu de la gauche, et tout le monde est un peu dans son propre univers, alors que là-bas, il y a une forme de circulation qui est mise en place, qui est une force. Donc, de ce côté, en fait, je crois qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites. La ville de Barcelone, donc la nouvelle administration d'Adam Collard et de toute son équipe, ils sont au pouvoir depuis quelques années. Ils ont été capables de faire différents gains en termes de démocratisation. Ils ont créé une nouvelle entreprise énergétique, donc Barcelona Energia, en fait, une compagnie publique d'énergie renouvelable, en fait. Ils sont en train aussi d'essayer de créer une alternative à Airbnb, entre autres, donc pour essayer de vraiment d'avoir un frein. Mais c'est extrêmement difficile de lutter contre des joueurs comme ça. Ils sont contraints par une distribution des pouvoirs à différentes échelles de gouvernement, ce qui font que même pour la question de lutte contre la spéculation immobilière, contre la gentrification, contre l'industrie touristique, en fait, qui a une empreinte énorme sur la ville, c'est extrêmement difficile de lutter. Et eux, ils disent, on n'a pas été capable de faire beaucoup de gains de ce côté-là, même avec une administration de gauche bien, bien affirmée. Qui est très combative. Donc, on pourrait même imaginer que, disons, que Projet Montréal se radicalisait ou qu'on avait une nouvelle mairie gouvernée par les citoyens. Même la question de à qui appartient la ville, c'est extrêmement compliqué d'agir juste au niveau de la municipalité. Autre chose peut-être à prendre en considération de ce que j'ai eu comme écho au niveau interne, Barcelone Comú, donc la plateforme qui est au pouvoir actuellement, ils se présentent pour les prochaines élections, évidemment, qui vont arriver en mai 2019. D'une part, ils n'ont pas gardé la même dynamique bottom-up qui avait été, en fait, la coalition, qu'on voulait la confluence de différents mouvements avec des assemblées, des primaires ouvertes, avec une idée vraiment qu'on va sélectionner, co-construire le projet de société, tout ça. Adam Collard est en train de prendre des gens avec sa garde rapprochée et une liste, en fait, qui ressemble plus à la dynamique traditionnelle des partis politiques qui veulent garder le pouvoir. Donc, c'est cette dynamique-là qui est en jeu. Autre élément aussi, dans leur cas, ils n'étaient pas majoritaires au conseil municipal. Donc, c'est un gouvernement minoritaire. Et là, prochaine élection, ils risquent probablement de perdre le pouvoir ou d'arriver numéro 2. À cause, entre autres, de là-bas, du côté de Barcelone, c'est la question de l'indépendance, donc le référendum, entre autres. Et là, c'est la gauche indépendantiste, peut-être, qui pourrait prendre le pouvoir en prochaine élection. Donc, il y a tout un... Une question, on parle d'électoralisme, on critique ça, mais quand on a les mains dans la boue, on peut dire qu'on travaille concrètement parlant, qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on fait pour continuer à avoir différentes avancées, quelle alliance, quelle chose à éviter. Donc, la réalité du pouvoir, donc c'est quelque chose d'extrêmement difficile et c'est quelque chose qu'il faut qu'on soit capable d'anticiper, de se préparer. Pas arriver de façon un peu naïve, on se présente au conseil de ville, ça se passe bien, on a un programme. Après, concrètement, la gestion quotidienne publique est extrêmement complexe aussi. Donc, c'est différents éléments. Donc, moi, j'ai été impressionné par la quantité. J'ai juste énuméré quelques initiatives ici. Ils ont fait des dizaines, des centaines de choses. Il faudrait faire le bilan complet
des transformations concrètes qu'on a été capables de faire en 4 ans en place avec toutes les initiatives citoyennes, mouvement des squats, le mouvement des coopératives, des incubations de nouveaux projets qui émergent aussi. Donc, ce n'est pas juste ce qui se passe dans l'institution, c'est ce qui émerge de la base. Donc, je crois en fait qu'il faut aller voir concrètement ce qui se passe du côté des États-Unis, Jackson, aller voir leur expérience là-bas. J'avais rencontré des gens de Jackson à Barcelone quand j'y étais. Ils disaient, nous, un des problèmes très concrets qu'on a, qui a l'air un peu bête, c'est les nids de poules. Parce que la classe ouvrière noire qui doit se rendre au travail, donc on n'est pas dans l'écologie, tout ça. Ils essaient de faire des choses écologiques, mais en même temps, on doit réparer les nids de poules parce que les personnes, pour se rendre au travail, quand leur voiture brise, ils peuvent pas, ils perdent leur emploi. Donc, il y a un taux de chômage, il y a toute la question, la réalité concrète, entre autres, je pense, des classes ouvrières, qu'il faut qu'on prenne en considération aussi. Il ne faut pas être uniquement un mouvement, je dirais, ancré dans les classes éduquées, sociales, plus bobo, écolo, et ainsi de suite. Il y a cet élément-là, mais il faut créer plusieurs alliances avec des groupes de différents, différents groupes. Donc, c'est un peu ici, c'est un peu en vrac, un peu différentes impressions que j'ai eues. Autre élément que je voulais amener par rapport à la ville de Grenoble, qui est, on pourrait dire, une forme de mairie qui est moins radicale que la ville de Barcelone, c'est le Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes. Le maire de la ville, Éric Piolle, il vient des Verts, mais c'est un groupe, en fait, qui regroupe des écolos, la gauche anticapitaliste, des groupes citoyens, table de quartier. Ils ont pris le pouvoir dans la ville en 2014, et ils ont été capables de faire beaucoup de choses. Mais une des choses qui leur est arrivée au début de parcours, c'est des contraintes budgétaires, budget d'austérité, et ils ont mal géré un peu leur crise, fermé une bibliothèque. Il y avait beaucoup de problèmes de contestation et des gens qui les avaient élus, il y a eu comme un bris de confiance avec les groupes citoyens de la gauche. Donc on a vu ça avec le RCM du côté de Montréal. Lorsque le RCM prend le pouvoir après, puis il va expulser des gens avec le projet d'Overdale, une forme un peu de choc qui est mis en place. Donc il faut vraiment anticiper en fait comment est-ce qu'on pense les relations et comment on va les nourrir entre les mouvements citoyens de la base. Une fois qu'on met un pied dans l'institution, comment on fait pour garder un pied aussi à l'extérieur pour ne pas être englobé par la grande administration publique. Peut-être un élément qui est original par rapport à la ville de Grenoble, ce que j'ai entendu, ils tentent en fait de non seulement démocratiser le lien entre les représentants élus et les citoyens, donc cette lignée-là avec des budgets participatifs, l'interpellation, des référendums, la démocratie directe qu'on peut aussi mettre en place. Mais une chose qu'on va souvent oublier et que j'ai oublié dans mon livre, c'est de traiter la question, le rapport entre les élus, les citoyens, mais la fonction publique, l'administration publique, tout l'appareil d'État bureaucratique qui a sa propre logique, qui parfois on peut trouver différentes personnes alliées dans l'administration publique qui va aider les citoyens. Parfois, on peut avoir des différentes alliances citoyens-agents contre les représentants élus qui sont très conservateurs. Parfois, tu peux avoir des citoyens puis des élus très progressistes, mais il y a des gens conservateurs dans l'appareil municipal qui bloquent des projets. Donc, toute la question, comment on fait pour démocratiser cet appareil, c'est vraiment énorme. Et du côté de Grenoble, ce qu'ils sont en train de faire, ils disent que c'est un long processus, il faut tout changer la culture organisationnelle, c'est d'essayer de briser les différents silos au sein de l'administration municipale. Donc, ils essaient d'y aller par projet. Avoir une administration municipale où il y a par exemple 15 directeurs, directrices de départements différents qui travaillent ensemble autour de projets communs. Il essaie de créer une forme d'horizontalité un peu plus dans l'appareil municipal. C'est un travail de longue haleine, mais c'est quelque chose qui est en train d'être mis en place. Et autre élément qui est extrêmement inspirant aussi, et d'après moi qu'on pourrait peut-être essayer de reprendre ici, c'est d'essayer de voir comment on peut recréer un lien entre les groupes de citoyens avec des projets participatifs et des gens dans la fonction publique. Et ils ont créé il y a un an ce qu'ils appellent les chantiers ouverts, où il y a des expérimentations d'aménagement d'espaces, de construction avec du bois recyclé, des gens qui se construisent des bancs, qui aménagent des espaces. Et à cause de contraintes juridiques légales, souvent, on ne peut pas donner des outils, on ne peut pas confier ces tâches-là à des groupes de citoyens pour des questions d'assurance, responsabilité civile, et aussi parce que les ressources sont limitées, on est obligé d'engager, par exemple, des fonctionnaires publics payés, et ainsi de suite. Mais là, ils ont été capables de trouver un petit outil juridique qui s'appelle l'outil de collaboration citoyenne occasionnelle, qui leur permet, en fait, d'avoir une équipe municipale qui a une formation d'animation sociale communautaire, d'aller voir des gens dans les quartiers, dans les groupes populaires, pour construire, en fait, des espaces. Donc, en un an, ils ont fait une trentaine de projets différents. Et là, ce qu'ils disent, c'est que ce n'est pas juste les mêmes qu'on voit habituellement dans les budgets participatifs. Les gens un peu déjà militants, les gens à la retraite qu'on voit habituellement.
ils peuvent aller dans un parc, des jeunes qui boivent de l'alcool, qui fument des cigarettes, des joints. On leur dit qu'est-ce que vous voulez faire de l'espace, on leur donne les outils, puis les gens prennent ici, puis ils se construisent des espaces. Et il y a toute cette logique-là d'articulation qui peut être mise en place, mettre à disposition toutes les infrastructures, les équipements, les compétences que possède la ville pour des groupes d'habitants. Donc ici, je ne sais pas au niveau légal, juridique, mais il y a des choses peut-être qu'on pourrait expérimenter. Autre élément qu'il faut anticiper aussi, c'est, disons que je vais conclure avec ça, c'est une articulation entre différentes échelles de pouvoir. Le Rassemblement citoyen de la gauche, les écologistes de Grenoble sont majoritaires au conseil de ville, ils sont minoritaires dans la métropole. Et dans le contexte français, il y a une recentralisation du pouvoir en termes de budget, de compétences au niveau de la métropole, ce qui fait en sorte que s'ils sont minoritaires, ils sont encerclés par des villes de droite, des petites banlieues, des villes de campagne ou ainsi de suite, si la ville se replie sur elle-même, on parle juste de la question urbaine, des milieux urbains, on devient urbano-centriste. Pour moi, on brise enfin en quelque sorte une force qu'on pourrait avoir avec une articulation plus large entre le périurbain, la banlieue, comme on appelle ici, des villages. Donc, il faut vraiment penser la question des différentes alliances. Et il y a différentes expériences municipalistes dans des tout petits villages aussi avec des listes citoyennes qui sont en place. Donc, il faut qu'on sorte aussi juste la logique urbano-centriste, d'après moi, même si je crois que c'est dans les villes beaucoup qui vont avoir les plus grandes expérimentations, les plus grandes avancées aussi. Donc, il y a cette articulation-là. Et lorsque j'ai rencontré les élus il y a un mois, ils m'ont dit qu'ils prévoyaient en fait une alliance de présenter une liste Grenoble en commun avec plein de gens dans toutes les villes autour pour essayer de prendre le pouvoir à l'échelle de la métropole. Donc je crois peut-être qu'il faudrait envisager ça aussi par quartier dans la ville de Montréal. Si on est capable de faire des trucs dans la ville de Longueuil, de Laval, dans d'autres villes autour, créer des quartiers populaires où il y a des gens qui travaillent, sont dépendants de leur automobile ou non, où ils n'ont pas accès à différentes choses. On doit vraiment essayer de sortir de, en fait, des quartiers centraux uniquement, quoique c'est là peut-être qu'on a la masse critique dans un tout premier temps, pour essayer vraiment de créer différentes alliances à différentes échelles. Donc ça, c'est une autre leçon que j'ai tirée de cette ville de Grenoble, qui fait plusieurs avancées, plusieurs contraintes. Ils ne peuvent pas tout faire. Ici, ils sont isolés, ils ne pourront pas faire de changement dans une seule ville. Et au même titre, puis je vais vraiment conclure avec ça, il ne peut pas y avoir de socialisme dans un seul pays. Il ne peut pas avoir de municipalisme dans une seule ville. Donc, on est obligé de créer une alliance, une confédération, et là, peut-être pour faire le lien, transcontinentale, transgalactique même, pour vraiment regrouper les villes et les villages à travers le monde. Donc, je vais conclure avec ça ici. I'm going to speak in English, but thank you to Donald and Jonathan who gave a really good context for municipalism. And Jonathan's speech actually goes perfectly into what I'm going to say about Symbiosis, which is an organization that tries to do exactly what Jonathan talked about, create a confederated structure of municipalist movements around the world, right now just focused in North America, because this really is the next step to making municipalism a viable counterpower and like a real force against capitalism. So I'm going to talk about Symbiosis in three parts, kind of. First, I'm going to introduce the idea a little bit, review the idea of radical municipalism in the context of Symbiosis. And then I'll talk about the values and the history and the structure of our organization. And then I'll go on and talk about how Symbiosis is relevant in Montreal and what we're doing with the chapter that we're starting up here. So in the beginning, I'm going to explain a lot of concepts behind the organization, but I want to end more in an informal way and open it up to discussion. And I hope that everyone will be able to discuss among each other and with us what your ideas are for the future of municipalism in this city and how Symbiosis can help with your projects and how you can be involved as well. So, to recap a bit, people feel really disempowered right now in political decision making and feel like they don't really have a say in what happens in the politics that decide how their own lives are governed. And this is because of the top-down capitalism in North America, which creates an atmosphere of futility for individuals and makes people feel oppressed by the hierarchy that's imposed on them. And this is a lot in part due to the corporatization of society in big cities and urban areas, which degrades the human tendency towards community
and leads to a widespread feeling of isolation and detachment. So radical municipalism offers a way for communities to come together again and to take control of the places that they live. And so this action includes re-engaging with the politics that determine a community's structure and what happens in a society. And it takes place in local movements that are based in collective decision-making and democracy and mutual aid, and essentially just bringing back power to the hands of the people, as Jonathan said and Donald said. So in short, radical municipalism involves grassroots citizen movements that are engaged in initiatives to give communities control over how they would like to live and what kind of structures they want their society to be governed by. But as Jonathan said, local movements in isolation cannot break the capitalist structures that they seek to combat. So this requires a concertation of all of the local movements together to become a force that's viable against capitalism. And this is the point of symbiosis, to scale up the effects of grassroots community efforts into a network of local democratic organizations, which can facilitate resource sharing between different communities, communication, collaboration. But essentially, the most important is solidarity on a large scale of all of these localities together. And moreover, grassroots projects that attempt to work outside of the capitalist system are often really lacking time and resources and have to be very internally focused in order to keep their cooperative or their community land trust or their community garden or whatever their egalitarian institution is running. So this is where symbiosis comes in to help with the external relation and kind of help reinforce a movement through between different localities in order to create their cohesive political vision into a large scale movement. So the mission of symbiosis is also, it goes beyond just creating a network, it's a call to action to repoliticize people and the popular movements that people need to take in order to regain the control that they seek. And doing this with the new community and community-based institutions of democracy, ecology, equity, as the basis of a new power of governance in parallel and in opposition to the current governing structures of capitalism. So by re-engaging communities with each other, we can take the cohesive power within communities and create a cohesive power between communities. And this creates a dual power, which legitimizes the alternative institutions, such as worker co-ops, collectives, mutual aid, community land trusts, community gardens, that are all part of radical municipalism, into a network that is bigger than its component parts. So symbiosis's project to scale up these discrete projects into a dual power basically is the idea that popular power from below can build new institutions which challenge and replace the authority of capitalism. And these new institutions are all democratic, all value democratic confederalism, ecology, and egalitarian transformation in the same way. And dual power is not a strategy that tries to abolish the state or necessarily tries to infiltrate or engage with the state more than it needs to. It's a strategy of building outside of the state a structure that can become powerful enough to render the state useless or obsolete, and thus become the new structure that people choose to live by. And as Jonathan mentioned, some real-world examples of dual power can be found in Barcelona, also the Zapatistas in Mexico, Rojava, Cooperation Jackson. I believe Secretary Julia was in the room, who was from Cooperation Jackson, but she's here today too. So to move on, confederal direct democracy, non-hierarchy, and dual power are all main concepts of symbiosis in the membership. So to talk a little bit about how the organization is structured,
Symbiosis is made up of members, member groups, and partner organizations. So members are just individual members. Right now there are about 355 individual members. And this is since 2017 when Symbiosis was started. There's about 11 member groups, which are local democratic institutions, and there's about the same number of partner organizations, which are just allied networks that do similar work. So to briefly talk about some of the member groups that are currently in the US mostly, but there's some in Mexico and some in Canada. The Institute for Social Ecology in Vermont, founded by Murray Bookchin, is one of the big member groups, because social ecology is one of the driving ideas of radical municipalism and Symbiosis, and it is exactly what it says it is. It's a politics that is based on social values and ecological values. Another member group of Symbiosis is Cooperation Jackson. Sacagawea Hall, who gave a talk yesterday at the plenary, is here on behalf of Cooperation Jackson, and this is an organization in Jackson, Mississippi that works to build a confederation of co-ops, a network of cooperatives, worker cooperatives, a cooperative incubator, a cooperative education zone, a cooperative bank in Jackson in order to re-empower the Black community that has been really oppressed for its entire history in that state. So through empowering Black communities and using cooperatives and community land trusts in Jackson, they're trying to strive for a more democratic society and economy. So to give some more history of Symbiosis, it was formed 2 years ago based on an essay submitted to the Next System Project, which won. And Naomi Klein is the director of that, and she really liked the essay, which basically was about how Symbiosis can be a tool for scaling up radical democracy or radical municipalism into a viable force against capitalism through dual power. And today, 2 years later, Symbiosis has come a long way, and right now there's a lot of working groups in the organization. A research collective, a bylaw writing group, an outreach group, a group that's writing a primer that's basically a lot of information just about what Symbiosis is, what it does, the ideas behind it, a launch statement. There's also a coordinating committee in Symbiosis that's voted for democratically. There's monthly referendums, virtual town halls, and an online discussion platform called Slack that's used in order to help people from all over the country, from all over the continent, be able to communicate with each other and plan together. So that's what Symbiosis looks like right now, and there's also a lot of individual chapters across North America of groups that meet locally to work on Symbiosis projects in their own neighborhoods and cities. So the next project of Symbiosis is the overall organization, is a movement congress that's going to happen in Detroit in September. And this is going to be the first time that a lot of members of Symbiosis come together directly to meet for Symbiosis and talk about what the vision will be for the future, how the confederation can continue, what the goals and challenges should be, what the next steps should be. So this is a big event that a lot of organizing is going into and is going to hopefully be a really great way for people to start initiating new projects too. So to finish, I'm going to talk about the Montreal chapter, and there's a few other people in this room who are also with me in the newly forming Montreal chapter of Symbiosis. And we've only been meeting for about 5 months now, and we're still in the beginning stages discussing what our place will be in upholding the mission of Symbiosis in this city, and what projects we can do to help with the movements that are relevant here. So right now we're working on ideas of drafting our own bylaws, conflict resolution and community conduct agreements, signing onto the launch statement and becoming an official chapter of Symbiosis,
And also talking to other chapters locally in Calgary and Portland to understand what they've done to be successful and how their chapters are going. So some of the projects that our group has already begun undertaking are popular education and a reading group in Park X. And Jonathan actually came to talk at one of our popular education workshops a week ago. And he talked about municipalism there as well. And partnering with like-minded grassroots movements here. And another one of our projects that we're hoping to start is a power map of the city, which was an idea to kind of create an online map of the island of Montreal and kind of map out all of the institutions that correspond to different sectors that involve grassroots movements for citizen engagement or immigration advocacy centers or community centers, tenant right organizations, and things like this. To offer the public at large a resource that can help them find connection to projects and resources to help them get more involved and have more control over how their society works and the other people in their own communities and get to know their own city in this way. However, since we're still so new at what we're doing here and since everything we're doing really involves everyone in Montreal and anyone who's interested in these kinds of movements, we're also here because we want to hear from you and we want to know what your ideas are, how you think symbiosis could relate to your projects or relate to your life, or what the needs are in your communities and what your ideas could be for how we can work together. So yeah, we just really look forward to hearing from you and we hope we can have a discussion about all of this. Thank you very much to all of our speakers. It was all really great talks. We're going to get into the question and discussion period. Just before we do that, like Simone mentioned, Symbiosis organizes a reading group on radical municipalism, and Aaron's passed around a sign-up sheet, so if that's something that you're interested in reading and learning more and discussing about it, just put your email and any other information that it asks for. Yeah, so we can get started with the questions. Like I said, I'm going to try and keep it equal between genders, so just throwing that out there again. And feel free to respond to each other. Okay, so we can just tout d'abord, merci pour votre intervention. Mais du coup, il y a une question plus philosophique liée au municipalisme radical qui est quand même pas trop claire pour moi. Donc finalement, est-ce que selon vous, il est nécessaire de reprendre le pouvoir ou de détruire le pouvoir? Je peux commencer, je vais briser la glace. Si vous définissez le pouvoir en place comme le pouvoir capitaliste, oui, il faut détruire ce pouvoir. Il faut le remplacer par un pouvoir, on peut dire le slogan dans le passé, c'est le pouvoir populaire, mais on peut dire c'est un pouvoir beaucoup plus dans les nouvelles structures de gouvernance déterminées par la population, les ouvriers et les ouvrières dans les quartiers, un peu ce que Jonathan a parlé par rapport à des exemples un peu partout. Ce ne sera pas facile, mais il faut avoir en tête, si on s'en va vers le municipalisme radical, le but, c'est de détruire le capitalisme, donc le pouvoir capitaliste, donc son fonctionnement, surtout son fonctionnement antidémocratique, une démocratie libérale bourgeoise, de haut en bas, d'une façon verticale. Oui, de toute façon. Encore, pour remplacer ça, là, ça prend des énergies nouvelles, la jeunesse, l'avenir, c'est tout ça. Mais c'est des projets qui font partie de l'ensemble qu'on voit un peu partout dans le monde quand les gens luttent contre le capitalisme, qui est l'ennemi central de nous tous. C'est comme ça que je le vois. Je vais répondre rapidement sur une grande question. Je vais essayer de répondre de façon brève. En fait, c'est une question qui fait débat, je pense, au sein du mouvement municipaliste, même entre symbiosis, le dual power, outside, inside, the state, counter. Donc, il y a comme différentes approches par rapport à ce qu'on fait du pouvoir au sens plus étroit du terme pouvoir politique et institutionnel. Donc, c'est plus ça, parce que le but, c'est de construire du pouvoir, du dual power, le pouvoir soit qui est exercé par en haut, soit qui est exercé par les gens directement.
Mais quand on parle de prendre le pouvoir, donc la question de l'État, qu'est-ce qu'on fait avec cette chose? Le municipalisme, du côté de l'Espagne, entre autres, comment ça s'est développé? Il y a un certain passage, en fait, de dire qu'il faut passer, entre autres, de l'occupation des places à l'occupation des institutions. Donc, en fait, avoir une logique, comment on fait pour occuper les institutions dans un sens qui serait différent, de ne pas juste mieux gérer la ville, mieux administrer de façon plus progressiste. Comment est-ce qu'on transforme l'appareil municipal? Si on n'a pas de plan pour faire ça, on fait juste arriver en place. Il y a des contraintes, il y a des logiques qui vont nous, progressivement, disons, limiter le pouvoir de transformation. Il y a une autre approche. Il y a des gens qui disent qu'il faut d'abord construire les choses à l'extérieur. Donc, d'autres contre-institutions, des community land trusts, des assemblées, des associations, des coopératives autogérées, tout un grand tissu. Il faut peut-être rendre l'État obsolète ou du moins soit l'affaiblir ou éventuellement, quand on va arriver, on va déjà avoir d'autres institutions aussi qui peuvent le remplacer par la suite. Je vais peut-être conclure en disant, il y a une chose que j'aime bien comme philosophie que j'ai retrouvée dans le Québec, solidaire entre autres, l'idée du parti de la rue et des urnes. Donc l'idée qu'on peut avoir un pied dans le Parlement puis un pied dans la rue. Mais j'ai entendu une autre expression qui disait en fait, vaut mieux avoir un pied dans les urnes, mais 1000 pieds dans la rue, ou 1000 pieds à l'extérieur. Donc, avoir plus de poids, disons, dans d'autres mouvements autonomes, plutôt que de tout miser pour qu'on coupe les tailles des mouvements sociaux qui rentrent dans l'institution municipale. Donc, il y a tout cet équilibre à trouver. Mais je crois que, contrairement à des groupes anarchistes purs, disons, qui sont généralement contre toute forme d'élection, même Murray Bookchin disait, au niveau municipal, on peut envisager peut-être de se présenter pour essayer de transformer l'appareil, parce que c'est pas la même chose que si on se présente à d'autres niveaux de gouvernement. Donc, je dirais que le municipalisme, règle générale, se pose la question, c'est une question qui est encore ouverte. On n'a pas de réponse précise ici, puis il faut qu'on se pose cette question-là. De ça aux jeunes. Yeah, well, exactly as Jonathan said, for symbiosis, it's a question of creating an alternative, and through the alternative institutions that we can build, making the current structure obsolete. Of course, you want to destroy it, but if you put all your energy into destroying it without creating an alternative, then you have nothing in the end. So better to create an alternative and choose that, and make the current structure just have no one use it anymore, and that's how you destroy it. The principle of symbiosis, to its term, is to destroy finally. If we create an alternative that replaces, I don't think the objective is destruction. The objection is. I mean, the objective is creation of something different to replace it. Oui, donc moi c'est vraiment en réponse à ce que Donald Stone a dit. Donc je suis assez neufite dans tout ça, mais moi ça m'a beaucoup interpellé quand vous avez parlé de l'enféodation des organismes communautaires. Oui. Donc j'aimerais ça peut-être vous entendre un peu plus sur le sujet, oui. Donc cette peut-être proposition entre une formalisation de ce type de mouvement citoyen à la base-là, qui offre des services, peut-être aussi sur comment on peut faire ça dans un contexte où on est vite freiné et qu'on n'a pas forcément le temps de s'investir dans des structures comme ça de façon bénévole. Et peut-être aussi juste faire écho à ce que Symbiosis fait, entendre votre opinion sur la création d'un mouvement global pour des initiatives aussi locales. Bon. Si je reviens au contexte québécois, parce que je vis ici, puis j'ai étudié ça en fonction du contexte québécois. Au début des années 80, quand tous les mouvements, puis on peut dire jusqu'en 83, 4, 5, quand la plupart des mouvements de gauche et d'extrême gauche ont disparu, l'État québécois, je ne parle pas du gouvernement, les gouvernements sont passagères. Avec les partis politiques qui prennent le pouvoir. Finalement, c'est l'État qui gère. L'État québécois a vu clairement une opportunité de s'insérer dans ce qu'on appelle finalement le communautarisme. Mais pas dans le sens qu'on peut le parler au niveau d'un contexte plus socialisant et dans le contexte d'un mouvement social. Ça veut dire créer le communautaire pour mieux le contrôler. Parce que le Québec n'a de vie de 20 à 25 ans de lutte intense et intensive à tous les niveaux de la société québécoise, qui effectivement qui est devenue en certaines formes même très violent, la FLQ et d'autres, et même les partis politiques, les groupes communautaires, les groupes d'intimés. Quand je parle de ça, je ne parle pas simplement Montréal, là. L'ensemble dans les régions du Québec.
Et l'État a compris très bien ce que Mme Thatcher avait dit en 1979. We no longer need society, we are all individuals. Ça veut dire qu'il faut là commencer à déconstruire l'État-providence. Et donc, ça voulait dire qu'il fallait créer, pour le remplacer, des groupes communautaires subventionnés par l'État pour s'assurer qu'on gère tout ça. Et moi, je dis, plutôt que détruire la pauvreté, si vous regardez les statistiques, on parle des années 85, on est à quoi? 2019? 30 quelques années à peu près? La pauvreté continue à grandir à Montréal. Donc, on n'a pas détruit la pauvreté, c'est qu'on l'a gérée. On gère très bien. À tel point qu'on est rendu à penser qu'on a détruit la pauvreté. C'est complètement faux, selon moi. Et donc, l'État, il ne faut pas l'apprendre pour des niaiseux et des stupides. Ce sont des stratégistes qui comprennent très bien comment manipuler les populations. Puis quand les étudiants en 2012 essayent de démontrer que tout ce système-là, communautaire et autre, était complètement désuet, bien évidemment, on a envoyé la police pour les attaquer. On l'a vu en 2012. Donc, il faut comprendre que les groupes populaires qui ont été fondés les années 60-70, pas simplement à Montréal, mais partout à Québec, Sherbrooke et ailleurs dans d'autres pays, était quelque chose de spontané qui venait de la population elle-même. Là, on voit que c'est chapeauté. Moi, quand on parle de chapeautage, j'ai des craintes. J'ai des craintes. Je n'ai pas les réponses à tout, mais déjà, j'ai des craintes. Quand je vois l'État subventionne, parce que c'est lui qui subventionne, quand je vois qu'à Québec, avec le gouvernement de M. Couillard et celui de M. Legault, puis que je vois déjà qu'il y a jusqu'à 10, 12 groupes communautaires qui ont disparu à Québec, parce qu'ils ont plus les moyens de fonctionner, parce qu'on est embarqué dans le financement qui vient d'en haut vers le bas. Et donc, l'État et l'État capitaliste, c'est pas des niaiseux, là. C'est des gens qui comprennent très bien comment manipuler une population et comment, finalement, de abaisser tous les mouvements de masse et les mouvements qui revendiquent. Puis pas simplement avec la police, ça c'est dans les cas extrêmes, mais ils sont capables de les manipuler en manipulant eux-mêmes les structures gouvernance. Et si ça ne fait pas l'affaire avec l'État, ça va être vraiment une gouvernance autoritaire, puis ça peut aller jusqu'à l'utilisation de la police, puis même créer des crises. Vous savez qu'au Québec, il y a toujours, toujours l'idée que la crise d'octobre de 70 était créée. Il y a du monde qui pense encore ça. Je ne suis pas un conspirationniste, mais c'est quelque chose qui se discute encore aujourd'hui, en tout cas parmi les gens de ma génération. Donc, vous voyez, l'État peut jouer de manipuler beaucoup de choses. Puis quand je parle, quand monsieur a parlé tantôt de changer le pouvoir et tout ça, comme Symbiosis dit, puis arriver à quelque chose, c'est toute la distinction qu'il faut faire entre stratégie et tactique. Pour moi, la tactique, c'est de participer quand c'est important pour le mouvement aux électeurs, sans être électoraliste. Parce que l'électoraliste, c'est la stratégie, pas la tactique. Moi, je suis prêt à participer dans une élection où est-ce qu'on peut avoir les avantages pour nous, pas les avantages pour eux. Mais ma stratégie est toujours, on change. Vous comprenez? C'est pour moi, c'est tout ce jeu-là. C'est pas facile à comprendre non plus et mettre en place. Mais en tout cas, j'espère que ça vous répond à vos questions. Je vous attends. Yeah, so this is kind of like, I would like to thank you all for your presentation and for everybody else's participation here. This event wouldn't be possible without those who are here currently right now. I would like to first state that if freedom means doing what we want, well then that means you have to define what freedom is and also what it isn't. And currently, one of the major facets of revolutionary movements, because this is a revolution that we're trying to create, and it is the most important thing to have a diversity of tactics within this sphere of revolution. And so it means that we need to have tactics that create dual power, yes, but also dismantle what is currently there. So, for example, take local currency. Local currency is a great way to take away power from centralized banking institutions. It is the reason why Lincoln was assassinated. It is one of the reasons why Kennedy was assassinated. And when you take that into account, yes, it's important to create local debt-free currency, but
it also means that if you just create local debt-free currency and you do not dismantle the centralized banking institutions, it means they're still there. You still have financial capital, and you still have these types of institutions that still create the type of dynamic wherein even if you continue to build positive freedom and you continue to build on participatory democracy, et cetera, et cetera, et cetera, so long as you do not actively dismantle those power and institutions that actively suppress the possibility for those participatory systems of governance to come about, then it just means that you will eventually allow them to co-opt you and take them over. And I think that this is one of the key aspects with relationship to creating the foundation for a new society, is to take both aspects into account just as equally as the other one. I don't know if we take like many questions or no. We answer directly to like more people, but it's up to you. I think you can answer directly to that one. Well, the example of Argentina and the years of the 6 year, well, 6 years in a sport period, I was in Argentina when all this happened, because I have relatives in Argentina. I visited on many occasions. I happened to be there when the first one started, when they got rid of all their governments and their presidents. I mean, you get rid of six presidents in a period of 3 years. It's got to be done. But the other thing too was the organizations by neighborhoods, les quartiers. And I participated in one in San Martin, basically where the people would meet once a week in the park. And we would discuss these things. And it was interesting to see direct democracy. At the same time, we were surrounded by the local state police and everything, but that's par for the course. I mean, that's what reality is about. And the other thing that was very interesting to notice how they were able to function economically. They created what we call le troc en français. In other words, if you're a plumber, you come and fix my plumbing, and if I'm a carpenter, I go fix your house. That's basic, simple I'm talking about. It was much more complex, but for the period of time they were revolutionizing or trying to revolutionize the system of some sort, it functioned across Argentina. And so basically the banks stopped functioning. If you walked in downtown Buenos Aires, all the banks were boarded up, and the three banks that were there from Canada had left. And they were occupied by the people who were demonstrating. So banks were occupied. I had never seen that in my life. I said, banks are occupied. I hope they left a few bucks so we can... But anyway, but you see, that was an attempt somewhere along the line to fracture the control by multinationals, banking, money, and so forth and so on. So I look at this idea of an Argentina that I found extremely, extremely, how would I say, interesting and uplifting. Maybe necessarily didn't come to its full fruition, but it's an attempt. It's an attempt across the country. Across the country. Interesting to see, not just in Buenos Aires, in Cordoba, Rosario, Mar del Plata, whatever. It's interesting to see this.